retrouve dans cette revue par rapport aux produits que j'ai reçus via Octoly et de la marque Natural Brésil Ecos. D'ailleurs, je vous remercie tous les deux, Octoly et Natural Brésil, ce qui a pu me permettre de tester deux produits, deux huiles hydratantes. La première huile hydratante que je vais vous parler, c'est la toute première que j'ai demandée sur mon Free Store. C'est une huile douche triphasée à l'huile de maracuja. Voilà comment elle se présente au niveau du design. C'est un packaging en plastique avec un bouchon qui se dévisse et vous voyez au niveau de l'huile triphasée. En fait, c'est l'huile, c'est surtout plus le côté esthétique, mais c'est le même produit qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est un produit qui est hydratant pendant 24 heures. Vous vous douchez avec votre gel douche habituel et ensuite vous mettez cette huile et vous vous rincez. Ça laisse un voile protecteur sur la peau, fraîche et acidulée. Et au départ, je ne me suis pas du tout penchée sur le fruit maracuja et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai senti l'odeur, je me suis dit, c'est quand même acidulé. Ça me faisait penser à un certain jet douche d'une autre marque style Tahiti Fa dans les années 80. Et j'aime bien son odeur. Et quand je suis allée vraiment voir sur le site, c'est en fait un fruit de la passion qui est acidulé. Et ça sent vraiment. Donc en fait, c'est un fruit qui est vraiment apprécié pour sa couleur jaune dorée, donc on peut voir, hein, et son goût acidulé. Donc ils vont récupérer en fait les graines de la fruit de la passion. Ils sont mis de côté et la marque Natura Brésil, ils vont les récupérer pour extraire cette huile-là. Voilà. Donc en fait, au départ, je pensais qu'au niveau des huiles, l'huile triphasée, c'était plusieurs produits et non pas du tout, c'en est qu'un seul. C'est plus un produit ludique et esthétique, mais c'est le même produit, donc c'est le fruit de la passion. Je vous laisse tout de suite avec les images pour voir quelle sorte de fruit c'est. Maintenant, je connais. 200 ml, il coûte 20 € et vous avez un code promo que je vous mettrai en barre d'infos sur le site jusqu'au 1er juillet. Vous allez avoir 15% avec le code généraux. Voilà. Donc sur cette huile-là, sur l'autre huile, mais je pense que ça fonctionne sur tout autre produit. J'en ai entendu parler en fait de cette marque-là, Natura Brésil. Une collègue de travail, en fait, une amie à elle, faisait de la vente à domicile. Et c'est vrai qu'elle m'avait fait déjà tester des produits avec des senteurs, mais super. Alors, dans un premier temps, quand je l'ai essayé, j'étais pas spécialement convaincue quand je l'ai appliqué sur moi, dans le sens où pour moi, je trouvais qu'il fallait en fait en mettre beaucoup, ça coulait trop rapidement en fait. Et bon, je me lavais, j'éteignais l'eau, j'en mettais. Et ben j'en prenais, mais je me suis dit là ça fait pas du tout une économie de produit du tout, donc on essaye franchement de faire beaucoup mieux. Et en fait, ben il faut doser dans la main, et bien évidemment tout de suite j'ai frotté en mettant avec les deux mains et en appliquant sur tout le corps, et il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est que je l'utilisais vraiment mal. Ensuite, c'est dans mes premières impressions, hein. La deuxième impression, le lendemain, je m'étais rasé les jambes et pareil, je me suis mis ça donc après la douche. Donc je pensais, donc je me rase les jambes, je me lave avec mon gel douche, ensuite j'ai mis ça, ça m'a piqué. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, je me suis dit, ah oui, mais tu viens de te raser. Donc pour moi, une fois rasé, non, ça ne m'hydrate pas spécialement, ça me piquait, c'était désagréable. Ensuite, quand je l'ai essayé beaucoup plus tard, je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Je regardais la télé, puis j'étais en train de m'inspecter. Hein, donc, effectivement, ça laissait bien un voile hydratant. Et là où je sais si ça m'hydrate bien ou pas, c'est le lendemain matin. Vous savez que j'ai un tatouage du pied jusqu'à mi-mollet environ, ouais. Et en fait, ils ont besoin d'être hydratés, les tatouages, hein, pour qu'ils restent beaux. Et du coup, je sais si ça reste bien, bon, ils mettent 24 heures, mais si ça reste bien déjà toute la nuit, c'est que le lendemain matin, si j'ai une peau qui est sèche, un peu en peau de croco, ça veut dire que côté hydratant n'est pas là. Le côté hydratant a été là, c'était impeccable. Par contre, je m'en sers que le soir, je m'en sers pas du tout le matin.
Et le côté hydratant, donc je peux dire qu'il est bien présent. C'est vrai que je ne l'ai pas testé du matin pour voir sur toute la journée, je teste que le soir. Et voilà, c'est parce qu'en fait, c'est une odeur qui est quand même particulière, qui est, oui, fraîche et acidulée. Et en fait, elle reste sur soi. Donc, je préfère la mettre le soir parce que je ne me parfume pas comme la journée, même si je mets un parfum sur moi le soir. Mais je préfère le mettre parce que ça le sent quand même, je ne vais pas dire fort, mais quand même, cette senteur, elle est quand même bien présente. Voilà. Au niveau packaging, le défaut que je pourrais dire, c'est ce bouchon. Je sais pas, il y a des fois il tombe dans le vide, enfin c'est pas bien défini ça au niveau du bouchon, il y a des fois il tombe dans le vide, des fois c'est fermé, des fois c'est ouvert, c'est le seul point négatif pour le moment que je peux en dire de ce produit. Donc vous voyez bien, on a toujours les trois phases hein, qui est en fait le même produit, mais au départ je pensais pas du tout ici, comme je vous ai dit c'est plutôt plus esthétique et ludique, mais en fait c'est exactement la même chose, donc voilà. Donc ce sont les graines de la foule à passion qu'ils ont récupérées et qu'ils ont récupéré l'huile. En tout cas, pour le moment, je vous dis, si vous vous rasez, évitez de le mettre. Mais sinon, moi ça me laisse quand même une bonne hydratation, je l'utilise le soir. Ensuite, deuxième produit que la marque m'a envoyé et que j'ai pu tester, c'est une huile sèche, sublimante, qui se présente pareil, là, c'est pas du tout huile triphasée, c'est une huile complète. Donc là, pareil, 200 ml, 24,50 €, elle est enrichie en l'huile, alors je sais pas comment on dit, hein, açaï, acai, je connais pas du tout, je pense que c'est açaï, parce que c'est ainsi c'est dit, 100% végétal, et je connaissais pas du tout non plus, en fait, c'est des baies bleues qui se trouvent sur un palmier. Ce sont des fruits secs et sucrés. Et voilà, donc cette huile-là, elle pénètre rapidement, elle est bien protectrice et en plus elle est parfumée. Moi je préfère franchement celle-ci que l'autre. Je l'ai reçue, ça fait pas longtemps, je n'ai pas fait la même bêtise d'en mettre, c'est le même packaging, hein, donc c'est un peu le même défaut aussi au niveau du bouchon, même je crois que celui-là, non ça va, je l'ai remis, ouais parce qu'il se dévissait carrément à fond. Mais voilà, j'en mets pas beaucoup, j'en mets dans ma main, je frictionne au niveau de ma main et je fais beaucoup plus pénétrer. On peut s'habiller vraiment rapidement. Je vous laisse tout de suite voir ce que c'est la saille, les baies bleues. Fruit de la passion, je connaissais, mais je ne savais pas du tout comment ils l'utilisaient, hein, voilà. Et puis là, pareil, donc ils extraient et ça donne une huile et ensuite on les récupère au niveau de notre produit. Alors cette huile-là, je l'ai testée pour voir, je me suis fait souffrir, après rasage, elle ne me pique pas du tout, franchement, pour moi c'est vraiment ma préférée dans le sens où son odeur, elle est présente, mais en même temps, pas comme... Pas comme l'autre, c'est complètement différent. Et celle-ci en journée ne me dérangerait pas de l'appliquer. Elle sent, elle est bien présente, mais c'est pas du tout les mêmes odeurs. En tout cas, elle hydrate vraiment bien et vous pouvez vous habiller directement derrière. Moi, je mets pareil le soir, je mets ma tenue du soir et impeccable, ça me colle pas. Et l'hydratation, comme je vous ai dit, elle est vraiment bien présente. Donc voilà pour cette revue. Dites-moi par contre si vous connaissez ces produits-là Natura Brésil. Je vous mets le lien en barre d'infos avec le code promo. Je remercie bien sûr Octoly et la marque de me les avoir fait tester. Et vous allez me poser est-ce que je les rachèterai. La première huile, non, je ne la rachèterai pas. La deuxième huile, oui, il se pourrait que je la rachète, mais comme j'aime bien tester, avant de revenir à une huile, je pense que je vais en tester d'autres. Mais cette huile-là, oui, je la rachèterai. Oui, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.